Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Tu dis, bon, je vais peut-être regarder pour quelques options sur Adopte un mec. Et du coup, j'ai vu ce gentleman qui avait une très belle photo de profil, qui avait l'air d'être drôle. T'as vu un profil haut de gamme, on va dire. Ce fut le début d'une romance épistolaire. On s'envoyait des romans, on se racontait nos vies. Et la rencontre a eu lieu au Café Broglie, où je suis tombé sur toi directement. C'était le coup de foudre. Le 7 octobre, on est parti en week-end à Munich, en Bavière. Ouais. Et puis à un moment, tu t'es retourné et puis j'ai posé le genou à terre et j'ai sorti la bague et j'ai fait ma demande. Et puis un peu plus d'un an plus tard, bah, nous voilà. Ouais. Nous voilà, on va se marier. Ouais, et c'est que le début en plus. Hein. Et c'est que le début. Bah, faudra la remplir, la maison. Ouais, faudra remplir la maison. Et pas que de meubles. Bah non. Après, on espère l'agrandir. Avec, on espère... C'est pas la maison, la famille. Oui, la famille. Avec, on espère, deux enfants. Et puis par la suite, bah, moi, ce que j'attends juste de nous, de la vie, c'est, voilà, c'est de continuer à être heureuse à tes côtés. Continuer à s'aimer comme maintenant. C'est ça. De continuer à se regarder depuis qu'on s'est regardé le premier jour. Et puis... Ouais. De devenir vieux ensemble. Continuer avec ce lien incroyable qu'on a. C'est ça.